pour échanger, pour parler de ce film, on va en parler avec Alexis et on va aussi appeler en visioconférence Marion Chéniaud-Dupuis. Alors Marion Chéniaud-Dupuis, elle est originaire du Périgord et donc c'est une guide de haute montagne en Himalaya. Depuis 2013, elle s'est attaquée au nettoyage. Depuis 2013, elle s'est attaquée au nettoyage de l'Everest. On la surnomme l'éboueuse de l'Everest. Et donc, avec l'école de guide de Lhasa, en 3 ans, elle a évacué 8 tonnes de déchets. Donc, elle... Voilà. Bonjour, Marianne. Bonsoir, Marion. Bonsoir, tout le monde. À vous tous, bonsoir. Voilà, alors écoute... J'ai entendu que tu disais que j'étais guide de haute montagne, mais je suis pas guide de haute montagne. Pas guide de haute montagne. Bon, je suis éboueuse. D'accord. C'est pas grave, c'est... Non, mais je voulais juste rectifier. Alors, on vient de terminer de voir la projection de ce film, là, et c'est quand même hallucinant. Il y a de la pollution de l'air, il y a de la pollution sonore, il y a de la pollution, et en plus, il y a de la pollution qui vient des alpinistes eux-mêmes. Alors qu'on pourrait penser que ce sont des amoureux de la nature, respectueux de la nature, donc c'est assez stupéfiant ce film. En fait, à partir de quel moment ça a commencé, cette pollution, à vraiment croître et grandir? Est-ce que ce sont les Sherpas ou est-ce que ce sont les alpinistes qui ont tiré la sonnette d'alarme? Alors la sonnette d'alarme... c'est peut-être plutôt les alpinistes étrangers. Et le problème, d'où il vient, c'est aussi les alpinistes étrangers. C'est-à-dire que le problème, il vient du moment où il y a eu de nombreuses expéditions qui ont surfréquenté l'Everest. Parce que les conditions étaient rendues plus faciles, les conditions étaient meilleures, plus confortables. Il y avait toute une logistique pour des alpinistes qui n'étaient pas forcément des alpinistes expérimentés ou professionnels, qui ont pu accéder au sommet de l'Everest. Et donc le nombre de ces alpinistes a tellement grandi que c'est devenu effectivement... un problème d'absence de logistique pour faire face à l'accumulation des déchets que cette surfréquentation a provoqué. Donc voilà, je redis ce qui a été dit dans le documentaire pour partir d'une base sur laquelle on se comprend tous. Mais... déjà, voilà, merci d'avoir mis la vidéo pour que je puisse vous voir un petit peu. Parce que j'ai besoin de me connecter à vous, sinon je me sens un peu isolée là toute seule dans mon coin. Je suis en Suisse. Je suis dans un... J'ai un hôtel bouddhiste en face de moi. Je suis au bord du lac Léman. Et j'ai grandi en Dordogne, où mes parents habitaient, et habitent toujours, dans le nord de la Dordogne. Où j'allais dans les grottes, je faisais la spéléo, j'allais voir les grottes de Lascaux. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à l'âge de 16 ans, en Dordogne. Et puis je suis partie en Inde à l'âge de 16 ans, à Calcutta, parce qu'il y a un docteur anglais, il y a beaucoup d'anglais aussi en Dordogne. Donc il y en a un qui est parti. Ah, on voit plus mon... Je suis plus sur l'écran. Si, on te voit toujours. On te voit, on t'entend. Ah, ok. Et donc il y a ce docteur anglais qui est à Calcutta qui a monté les premières cliniques de rue pour les patients les plus pauvres, les réfugiés
du Bangladesh qui arrivait à Calcutta. Et donc je vous raconte tout ça parce que c'est là en fait où moi j'ai découvert la réalité de la très grande pauvreté de ces régions du monde. Et donc j'ai été très touchée par l'action de ce docteur qui pendant 40 ans donc a créé des cliniques et à 16 ans donc je découvre tout ça et je décide je demande à mes parents en fait de donner la permission de partir vivre à Calcutta et d'aider en fait ce docteur Jack dans les cliniques pour les lépreux sur le bord du Gange. C'est là où d'ailleurs il m'a reçu pour créer un centre de réhabilitation des patients. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé donc mon parcours de vie asiatique himalayen, parce que rapidement de Calcutta, je suis restée 6 mois, mais en fait j'étais beaucoup trop jeune, donc j'ai dû faire des études. Donc mes parents m'avaient laissé partir, enfin j'avais quand même conscience que j'avais encore des apprentissages à faire. Donc je suis allée dans un monastère bouddhiste tibétain en Himalaya à Darjeeling, pas très loin de Calcutta. Et là j'ai été reçue et j'ai appris donc toute la culture himalayenne bouddhiste. Et j'ai appris le tibétain, j'ai appris à vivre pendant 4 ans dans le monastère. Et c'est de là aussi qu'est née ma relation très, très spéciale à la montagne, parce que dans le monastère où j'habitais, il y avait donc une petite fenêtre dans la cellule, la chambre où je méditais, et de cette fenêtre, je pouvais voir le Kanchenjunga. Tous les matins, avec le lever du soleil, il devenait rose, et puis je voyais après apparaître des nuages ou des... j'observais le ciel et toute la nature autour de cette montagne. Et cette montagne m'a paru extrêmement pure, extrêmement... dans son visage originel, en fait, elle reflétait en fait, tout ce que mon maître m'enseignait sur la méditation comme étant des qualités naturelles, en fait, intérieures qui se reflétaient dans les qualités naturelles de la montagne. Et quand je dis intérieur, c'est l'intérieur de notre esprit. Et donc cette relation à la montagne, je l'ai nourrie entre 18 et 22 ans. Et à 22 ans, j'ai dû partir du monastère et je me suis retrouvée de l'autre côté de l'Himalaya, au Tibet, à Lhasa, la capitale, où j'ai après vécu pendant 18 ans. Parce que mon maître de méditation lui-même ne pouvait pas retourner au Tibet et donc il a souhaité que je serve de messagère pour aller vers les populations du haut plateau tibétain, des nomades, et que je cherche avec eux des solutions pour rendre leur éducation plus adaptée à la culture tibétaine, parce qu'à ce moment-là ils étaient poussés en fait dans des écoles et vers la modernisation et la sédentarisation, et en fait leur valeur de lien à la nature et d'union même, d'osmose avec la nature, était complètement réprimée à ce moment-là, dans le type d'éducation qu'on leur donnait, dans les écoles de type chinoise. Donc voilà, c'est cette mission que j'ai reçue à l'âge de 22 ans, quand je suis partie du monastère, que je suis arrivée à Lhasa. Et là, il a fallu que je vive aussi, que je vienne à mes besoins. Donc là, mes parents m'aidaient encore, mais pas tellement. C'est-à-dire que je fallait quand même que je trouve un métier pour vivre. Et donc, je suis devenue guide de trekking. Comme tous les gens en Himalaya qui ne savent pas trop bien quoi faire, donc ils deviennent guide de trekking. Donc j'ai commencé comme ça et donc je gérais des caravanes de yaks, des caravanes de mules, je travaillais avec beaucoup de sherpas qui venaient du Népal parce que c'est eux qui m'ont appris aussi aux Tibétains à organiser les treks, parce qu'au départ les Tibétains au Tibet il y a plein de montagnes, mais en fait ça leur venait même pas à l'esprit
de grimper dessus et enfin de faire du trekking, tout ça. Enfin, et pourtant, il y avait des touristes qui venaient de plus en plus nombreux aussi au Tibet, mais pas si nombreux qu'au Népal. Hein. C'est pas vraiment comparable. Je pense que c'est pour ça qu'on va en parler après en plus en détail sur la question de l'Everest côté tibétain et côté népalais. Mais pour l'instant, je vous donne juste donc le contexte dans lequel les gens vivent et grandissent et trouvent un travail, y compris donc moi qui ai vécu comme ça depuis donc les années 2000, vu qu'on suis arrivée dans les années 2000 à Lhasa, début des années 2000. Et effectivement, j'ai vu une croissance du tourisme d'année en année, c'était évident. Puis même, j'avais été missionnée pour ouvrir des nouveaux treks, pour former des Tibétains, être capable de monter des tentes, de faire la cuisine, Donc tout ça, j'y ai participé quelque part, mais avec beaucoup, beaucoup moins de fréquentation au Tibet. Donc le problème n'était pas vraiment visible à ce moment-là, qu'il allait y avoir une surfréquentation à un moment donné et que ça allait créer des tonnes de déchets dont on ne saurait plus quoi faire. C'est insidieux, en fait, on ne sait jamais à quel moment il faut arriver à doser et à arrêter en fait le nombre de touristes qui sont autorisés à rentrer sur les chemins de randonnée. La Chine s'en est chargée plus tard. Nous, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup trop de fréquentation sur l'Everest. Et on a, dans les années 2017, donc c'est très tard, hein, on a effectivement émis des quotas pour qu'il y ait un nombre limité d'alpinistes qui puissent venir sur l'Everest. Et c'est ça qui, en grande partie, a permis de contrôler le problème des déchets sur la face nord de l'Everest. Mais pour revenir à mon histoire, donc avec mes nomades, donc je suis là pour la rééducation. Entre-temps, il faut que j'ai un métier, donc je deviens guide de trekking. Je me rends compte des enjeux, des pressions qui sont en train de se vivre pour les populations tibétaines, hein, comme les populations népalaises, c'est le même problème. Hein. Où en fait, quand il y a un créneau commercial pour développer une activité, tout le monde a envie de s'engouffrer dans l'histoire. Donc, comment gérer après la concurrence, le fait de monter en gamme de niveau de service et de toujours proposer mieux, proposer plus, proposer des choses incroyables, des expériences dans tous les sens, etc. Et en fait, au bout du compte, tout le monde s'y perd parce que les populations locales, elles s'y perdent parce que leur valeur d'origine, c'est pas du tout de créer, de vendre des expériences extraordinaires pour des touristes qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis pour les gens qui viennent de l'autre bout du monde, c'est pas d'être mis dans une sorte de chemin bien balisé sur lequel on va leur dire exactement comment d'aller de A à B, B à C, et ça devient une expérience qui n'a pas beaucoup d'intérêt au final. Et surtout quand il y a beaucoup de monde qui est en train de faire la même chose que toi et que c'est en plus avec peu de prise en compte des déchets qui sont laissés derrière nous et donc là, la nature est de plus en plus abîmée et le rapport à la nature, oui, bien sûr, il reste là, c'est tellement beau, c'est tellement pur que c'est pas possible de dire que les alpinistes dans l'Himalaya n'ont pas cette ouverture et cette rencontre profonde avec la montagne, avec la nature. Elle est forcément là, elle a lieu. Et c'est même des expériences très très fortes. Hein. Mais simplement, tout ça est compressé dans une sorte d'étau de produits commerciaux qui viennent en fait créer des pressions sur la nature très fortes et sur l'esprit des humains, parce que l'esprit des humains est bien conscient que c'est pas équilibré tout ça et que l'harmonie, l'équilibre entre l'homme et la nature, il n'est pas respecté. Donc personne n'est gagnant dans cette histoire. Oui. Marion, est-ce que je peux t'interrompre un tout petit peu? En fait, on a quand même le sentiment que la montagne devient de plus en plus un objet de consommation et aussi de consommation pour des personnes assez aisées, en fait, parce que je crois que l'ascension du Népal coûte quand même très cher.
Est-ce que ça coûte combien à peu près de une ascension? Oui, donc bon, les chiffres varient. On est sur des fourchettes entre minimum 30 000 euros par personne pour une ascension sur l'Everest et ça va jusqu'à la moyenne c'est 60 000 et le plus grand c'est 90 000 quoi. C'est ça. Alors, par exemple, tu vois, j'ai lu dernièrement là qu'il y a un YouTuber qui s'appelle Inoxtag qui a annoncé vouloir se lancer dans l'ascension de l'Everest en 2024 sans avoir jamais fait d'alpinisme. Et donc, il prévoit à peu près 600 000 euros pour ce qu'il va réaliser et bien sûr sur quoi il va communiquer, etc. Donc là, on atteint quand même des sommets assez absurdes. J'ai été contactée par lui, effectivement. Ah oui. Son équipe, pas lui, par son équipe. Mais j'ai pas donné suite. J'aurais pu, hein, ça aurait été intéressant de voir dans quel état d'esprit il se trouve et comment travailler éventuellement avec lui sur faire passer un message. Mais moi, franchement, faire passer un message, si c'est pour de nouveau que ça fasse partie du packaging, de vendre quelque chose qui vaut 600 000 euros parce que c'est lui et parce qu'il est connu, tout ça. Là, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Même le message, moi, je ne veux surtout pas être la caution. Justement, on a un message écologique et on va faire quelque chose de bien juste parce que... ça fait partie du paquet, quoi. J'avais lu aussi que pendant la période du Covid, par exemple, il y a à peu près 5000 bouteilles d'oxygène qui ont été acheminées pour des alpinistes qui faisaient l'escalade, alors que dans les hôpitaux, il n'y avait plus d'oxygène. C'est quand même... alors, est-ce que le gouvernement népalais, dans ces cas-là, il suit, enfin, il n'intervient pas, il ne met pas de limite Oui, alors, dans le cas du Népal... C'est la grande différence entre le Népal et le Tibet, en fait. C'est qu'au Népal, le gouvernement ne suit pas, effectivement, des initiatives qui pourraient être de régulation, en fait, de toutes ces aberrations, parce que les enjeux économiques pour le Népal sont trop importants pour se faire l'économie, en fait, de laisser cette industrie de la haute montagne et du tourisme... être un côté délaissé. Non, au contraire, il faut le booster, il faut optimiser, il faut que ce soit toujours la priorité parce que, d'après le gouvernement népalais, c'est la seule manière de garder le pays en équilibre, son équilibre économique. Alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la principale source de revenus pour le Népal, c'est en fait... la force de travail, enfin les manpower, c'est-à-dire les gens qui vont travailler à l'extérieur du Népal, alors notamment sur les grands chantiers de construction comme pour la Coupe du Monde de football, c'était où? C'était à Qatar. Oui. Et tous les Émirats arabes, où en fait les hommes vont travailler et renvoient l'argent dans les familles, et c'est ça en fait la principale source de revenus pour le Népal. Ah, maintenant, il y a des femmes aussi qui s'y mettent. Elles deviennent nurses, enfin, aides-soignantes et infirmières dans les pays comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se payer des aides-soignants au prix normal. Donc, ils exploitent, en fait, hein, une main-d'œuvre très peu payée, comme dans les chantiers de construction dans les Émirats arabes. Donc voilà, donc c'est un pays extrêmement pauvre. Le tourisme, c'est vrai que c'est une manière pour les Népalais quand même de rester chez eux en ayant plus ou moins quand même le contrôle sur la manière dont ils développent leurs activités de tourisme, même si je pense qu'aujourd'hui la jeune génération aimerait vraiment pouvoir faire beaucoup plus d'aménagement et d'efforts pour que le tourisme devienne responsable et que ça aille plus dans les valeurs traditionnelles des cultures himalayennes et que le gouvernement n'ait pas spécialement un soutien, en tout cas
ils partagent pas toujours ces valeurs parce qu'il y a quand même beaucoup de corruption. Et donc, je pense que leurs intérêts personnels dans le gouvernement priment sur les valeurs traditionnelles des Népalais qui aimeraient en fait rendre leur pays plus plus harmonieux socialement, parce qu'il y a des grandes différences aussi d'inégalités sociales en fait, où les chefs d'agence d'expédition ont pris l'habitude en fait de gagner vraiment beaucoup d'argent et de redistribuer très peu en fait vers les employés, que ce soit les sherpas ou les cuisiniers, les accusiniers. Et le gouvernement ne contribue pas du tout à mettre en place des lois pour que ce soit un système plus égalitaire. Et ils s'en mettraient vraiment tous, plein les poches, le gouvernement et les chefs d'expédition, enfin pas les chefs d'expédition, les chefs d'agence. Donc la jeunesse, je pense, sera vraiment là pour faire changer les choses. Je crois dans le message de la jeune étudiante de drama, du documentaire, qui est sensibilisée, qui a une vision. Beaucoup de femmes aussi qui s'occupent finalement de la vie dans les villages, dans les vallées, pour aller jusqu'à l'Everest. Les vallées où habitent les Sherpas. Et les ethnies non Sherpas, mais qui sont aussi donc maintenant sollicitées pour venir faire les grands treks, les grandes expéditions dans la vallée. Parce que maintenant, c'est les Sherpas qui embauchent les ethnies en plus basse altitude. Parce que les Sherpas, ils ne veulent plus monter les charges autant qu'avant. Et donc, ils exploitent les ethnies du sud, du plus bas qu'eux. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir un vrai travail de reconstruction aussi bien au niveau social qu'au niveau de protection de la nature, le respect de la nature, qui va être fait par la jeune génération. Moi, j'ai confiance que ça va se faire. D'accord. D'ailleurs, je contribue activement à ce que ça se passe aussi au Népal. Je suis complètement impliquée dans des projets de gestion des déchets au Népal. D'accord. On va peut-être voir s'il y a des questions. Si vous avez envie de poser des questions, il y a un micro qui peut circuler, donc n'hésitez pas. Oui, il y a une... Cathy. Parlez bien. Oui, bonsoir. En fait, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je me dis, mais il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont très riches, en plus qui ont des budgets de dingue pour venir là. C'est à eux de venir avec des choses qui ne produisent pas de déchets. Ou alors avec des techniques qui font que c'est biodégradable, j'en sais rien moi. Avec tout l'argent qu'ils y mettent, c'est quand même dingue de penser que c'est les gens de là-bas qui doivent penser un système de recyclage qui ne fait qu'entretenir la production de déchets. Parce que si vous recyclez, tout le monde va produire des déchets. Hein. Voilà, c'est comme chez nous, c'est pareil hein, de toute façon. Et dans nos montagnes des Pyrénées, attention, ça devient comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas dans les Alpes, je ne connais pas les Alpes. Voilà, donc ça me paraît quand même fou d'entretenir ça. Oui, non, c'est sûr que le problème se prend aussi par ce bout-là. D'ailleurs, depuis que je suis de retour en Suisse, donc ça fait que 3 ans et demi depuis le Covid que j'ai quitté l'Himalaya. Et je me suis impliquée aussi dans une association à Genève que j'ai aidé à créer, qui s'appelle Mountain Synergies, qui exactement fait le travail de ce que vous venez de mentionner. C'est-à-dire offrir à tous les alpinistes qui vont venir dans l'Himalaya un mode d'emploi pour faire leur sac d'équipement pour partir en montagne. Et en fait, effectivement, il y a des tas de choses qu'on peut réduire dans les déchets qui vont être produits sur place. Et effectivement, ça demande de l'information, ça demande du coaching même parfois. Donc, il y a aussi des alpinistes qui sont venus vers moi pour préparer leur expédition en amont et limiter leur impact. Alors, je trouve que c'est bien et j'essaie de contribuer au mieux pour que cette charte elle soit diffusée le plus largement possible et qu'il y ait plein de canaux de diffusion
de gens qui en parlent et qui sensibilisent autour d'eux. Maintenant, je dirais que c'est pas non plus ça qui va... Ils resteront minoritaires, ces personnes-là, et c'est pas eux le problème, en fait. Eux, du moment qu'ils sont sensibles et qu'ils savent qu'il y a des marches à faire et qu'on peut les faire, ils le feront. Mais c'est tous ceux qui ne voudront pas le faire et sont largement majoritaires. Et ceux-là, voilà, ceux-là, de toute façon, on ne pourra pas les empêcher de payer 600 000 euros pour organiser une... Parce qu'il va faire quoi l'influenceur avec... Il va aller sur le sommet d'Everest alors qu'il n'a jamais gravi. Oui, et il va faire toute une campagne de communication qui va coûter une fortune. En fait. C'est ça qui va... Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça, en fait, très représentatif de l'évolution d'une société occidentale moderne qui vont vers l'Everest. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. En tout cas, ceux qui vont à l'Everest, ils sont largement majoritaires comme ça. Donc, voilà, on ne pourra pas les changer avec notre petite charte là de maintenir synergies à Genève qu'on a créée et qu'on essaie de diffuser le plus largement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être, je voulais demander à Alexis, là on est donc côté Everest, qu'est-ce qui se passe chez nous, dans nos montagnes à nous, qu'est-ce qui se passe au Mont Blanc? Ouais, bah, c'est vrai que nous aussi, on a ce problème-là de gérer les déchets. Alors, c'est des déchets qui proviennent souvent autour des refuges, parce qu'il y a beaucoup de refuges, contrairement au Népal, où là, ça se passe plus dans des loges, mais on a des refuges de haute montagne, voilà, notamment le refuge du Goûter sur la voie normale du Mont Blanc. Et là, le problème, c'est comment gérer ces déchets, plutôt des matières fécales, le papier, comment on les traite. Donc, il y a encore des refuges qui ne sont pas équipés de toilettes sèches ou de systèmes... assez complexe pour traiter ces déchets. Et ça, c'est vrai que c'est encore une grosse problématique. Et puis après, c'est vrai que bah, même sur les glaciers, sur la mer de glace, où, les glaciers déchargent aussi des anciens déchets de l'époque, des conserves, de la ferraille, tout ça. Donc c'est vraiment c'est récurrent. Et c'est peut-être moins flagrant que... comme l'Himalaya, autour du camp de base de l'Everest. Mais moi, je voulais rebondir sur le fait, c'est vrai que je suis allé plusieurs fois au Népal, et c'est vrai que quand on arrive à Katmandou, on se rend compte dans quel univers on va évoluer du début à la fin. Et je pense que c'est ce qu'on me disait, c'est vraiment, il y a pas mal de problèmes. Il y a un problème déjà qui vient du gouvernement, avec pas mal de corruption, pas mal des mêmes personnes qui s'en mettent plein les poches, on va dire. Y a ce problème d'ethnie aussi, qui est quand même vraiment très marquant, comme je suis jamais allé en Inde, mais que je peux imaginer. Donc oui, voilà, c'est les porteurs du Soulkumbu qui montent toutes les charges des touristes, et puis aussi pour faire vivre l'économie et les locaux, hein, qui ont besoin aussi de faire monter les provisions, les denrées dans les villages plus hauts. Et voilà, et les Sherpas, en fait, il y a un gros problème d'organisation au Népal. Et je pense que c'est aussi, il le dit dans le film, Marc Bâtard, c'est aussi à eux de se prendre par la main, de s'organiser entre eux. Parce que oui, c'est bien beau, on pourrait venir tous avec nos traverser la planète avec nos bouteilles d'oxygène, tout ça. Voilà, donc déjà, on pollue en allant là-bas, hein, déjà, c'est déjà une erreur, on va dire, entre guillemets. Mais bon, c'est quand même beau, ça reste à voir. Mais voilà, donc on peut pas, peut-être, ça deviendrait compliqué de venir avec tout notre staff, notre matériel. Donc c'est vrai qu'on achète tout, quand on va faire une expédition, on achète tout à Katmandou. Des cordes, des puits à neige, la boue, la nourriture, tout ça, on prend sur place. C'est pas forcément en plus des produits qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, qui sont des plastiques qui sont peut-être des plastiques plus polluants. Enfin voilà, on soulève un problème, puis il y en a un autre derrière, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et c'est un peu sans fin. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça peut paraître décourageant de trouver l'issue de secours, la solution, mais je suis un peu comme toi, assez optimiste sur le fait de mettre des choses en place, mais je pense que tout d'abord, ça doit venir de la part du
des gouvernances là-bas et puis du peuple népalais, quoi. Mais il y a une spectatrice là qui parlait de choses, enfin de matériel biodégradable ou de. Est-ce qu'on peut pas quand même faire un effort au niveau des vêtements, du matériel, pour pas utiliser de produits toxiques, pour que quand ça reste, bon, ce soit pas mangé par les animaux. Est-ce qu'on peut pas. Là-bas, ça n'existe pas les produits biodégradables, quoi. Il faudrait arriver avec des conteneurs et mais là, c'est pas. Enfin, non, ça n'existe pas. Ah, vas-y, tu connais mieux que moi. Hein. Non, effectivement. Le niveau de confort qui est proposé, notamment sur la nourriture, c'est vrai qu'il y a énormément de produits importés qui sont emballés et qui produisent plus de déchets. Et ça, on pourrait bien sûr imposer d'utiliser que les produits locaux pour la nourriture qui seront pas emballés, et là déjà effectivement on diminue énormément la masse de déchets produits. Après sur les équipements techniques, je suis comme la vie d'Alexis, je vois pas. Après c'est aussi c'est culturel aussi, hein. On le voit même dans les pays en voie de développement, les gens ne pensent pas à trier leurs déchets, c'est pas leur préoccupation première, c'est plus nous, les Occidentaux, dans nos petits conforts où on peut se le permettre, puis moins avoir nos deux poubelles, je trie, machin, tout ça. Mais même moi, je le vois, rien que quand je vais dans les Alpes italiennes, je vois rien que dans la façon de faire des randonneurs. Ils vont jeter bien plus facilement un papier par terre dans la montagne. Une fois, je m'étais amusé à. Je redescendais d'un refuge avec une cliente et je m'étais dit, allez, je vais ramasser tous les papiers. Et c'était notamment après le Covid. Et c'est là que je m'étais aperçu le nombre de masques anti-Covid, mais j'en avais ramassé, je pense, une quarantaine sur un chemin de 3-4 km. Quoi. Et j'avais ramassé mon sac de 30 litres, était rempli de masques Covid, de papier, de mouchoirs, les gens se mouchent, enfin voilà. Et ça, c'est parfois, c'est un peu aussi culturel, quoi. Et c'est vrai, quand on arrive à Katmandou, peut-être le touriste, c'est souvent, comme il le disait aussi, du trekker, hein, c'est des Américains qui viennent. Aux États-Unis, on fait peut-être un peu moins gaffe, je sais pas. Et ils arrivent, c'est sale, ça doit être leur culture. Bon, si c'est comme ça, ça n'a pas l'air de les gêner. Il y a des enfants qui jouent dans les décharges, les vaches, elles mangent du papier, enfin. Bon, c'est normal, on va faire comme ils font, quoi. On va se mettre. Voilà. Et c'est un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de touristes qui arrivent là-bas, ça reste, comme d'habitude, du consumérisme. Et on se met dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Et ça, il faudrait, à la rigueur, que, direct, quand on sort à Katmandou à l'aéroport, qu'on nous fasse une petite formation, un petit rappel à l'ordre sur le civisme. Mais voilà. Et c'est effectivement aux locaux de pouvoir d'apprendre à faire ça, d'être les gardiens justement de ce respect de la nature et de reprendre aussi les racines de leur culture dans le lien avec la nature et d'en faire un récit ou une manière de présenter leur pays en fait qui soit encourageant et enthousiasmant pour les personnes qui arrivent de justement immédiatement en fait s'immerger dans cet univers pas que de beauté de la nature mais aussi de comprendre par les récits en fait tout ce lien qui est extrêmement ancré et enraciné dans la culture locale mais qui malheureusement en 30 ans 40 ans de trekking et expédition commerciale a été vraiment très très mal menée cette culture ancestrale. C'est vrai que au Tibet, ça a été plus facile en fait de ramener de rééquilibrer en fait des aspects commerciaux avec des aspects plus de locaux, de respect de la culture locale. Et c'est ce qui nous a permis de pas justement se laisser déborder. Quand je dis nous, c'est donc l'école de montagne de Lhasa et les guides tibétains du côté donc nord de l'Everest qui où il y a beaucoup moins de touristes et c'est là où j'ai travaillé en fait pendant toutes ces années donc de 2013 à
à 2020, avec jusqu'à l'arrivée du Covid, où chaque année, effectivement, non seulement on faisait des campagnes de nettoyage des déchets, mais surtout, en fait, l'idée, c'était de responsabiliser les guides tibétains au sein de leur école pour que ça fasse partie de leur formation en tant que guide, enfin pas guide mais en tout cas encadrement, responsable de l'encadrement des expéditions pour les Chinois et d'autres expéditions internationales, de faire passer leur vision tibétaine de la montagne, cette vision sacrée dont je parlais quand j'étais dans Darjeeling, dans ce monastère, et que je méditais depuis mon monastère, et je voyais cette montagne, et cette montagne, en fait, évidemment, elle évoquait une telle autorité naturelle, une telle pureté que jamais dans mon esprit ça me serait venu l'idée de pouvoir la souiller. Et ça, en fait, si ça a marché sur moi, en fait, par cette culture d'apprendre à approfondir et cultiver ce lien avec la montagne, la nature, et de vivre dans ce lien et cette harmonie, c'est évidemment possible de le faire pour toutes les personnes qui viennent, si justement il y a des petits rappels à l'ordre, comme dit Alexis, en arrivant, où on nous explique, en fait, on nous dit, voilà, c'est en fait ici, la vie, elle se passe comme ça, en fait, on habite la terre, on la respecte, on l'aime, on en prend soin, on est avec la montagne, elle nous donne tellement de leçons, tellement d'enseignement, en fait, c'est elle-même qui nous protège, c'est elle qui nous enseigne. Donc, c'est évident que la relation, elle est radicalement différente quand on est dans cet état d'esprit. Et c'est possible, hein, j'ai complètement confiance qu'en fait, ça demande du temps, mais l'éveiller le soir, quand on attend pour aller d'un camp à l'autre, il y a beaucoup de temps d'attente en montagne. Donc, si les guides qui encadrent les expéditions, ils sont prêts à passer du temps à raconter tout leur lien à la montagne et de vraiment faire passer ça en premier plan pendant l'expédition pour que justement le temps soit consacré aussi pas que à aller au sommet et d'atteindre, d'y aller, de prendre la photo et redescendre, mais aussi de découvrir qu'est-ce que cette culture locale en fait a à me dire et à m'apprendre, à m'enseigner. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi chez les clients, enfin les gens qui partent avec toi? Est-ce qu'il y a ces dernières années une prise de conscience des menaces, des dangers, de la dégradation de la montagne? Nous, sur quoi on peut débattre avec nos clients ou quoi, c'est plutôt sur le réchauffement climatique. Souvent, la plupart du temps, les gens, parfois je m'amuse pour faire la blague. On a fini le pique-nique et je jette mon papier de sandwich et je dis, bon, de toute façon, l'hiver arrive bientôt, il y aura de la neige. Et j'essaie de tester un peu les clients comme ça, de façon humoristique. Et bon, voilà, souvent, quand même, ça reste choquant, quoi. Et avec les gens qu'on emmène, et heureusement, et ça me rassure, je ramasse, rassurez-vous, je ramasse mon plastique. Après, nous ce qui choque les gens qui viennent à nous faire de la montagne, donc qui traversent la France, les Alpes ou l'Europe pour venir faire de la montagne, Chamonix en l'occurrence, et ils voient la fonte des glaciers, ils voient les canicules, ils voient le non-regel la nuit, enfin les chaleurs où ça arrive qu'on parte du refuge à 2h du matin et on est en t-shirt, quoi. Ça, il y a quelques années, c'était rarissime, quoi. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent au mois de juillet-août. Donc là, c'est plutôt un autre débat. C'est plutôt le réchauffement climatique. C'est pas vraiment lié aux déchets. Et ça, beaucoup, ils sont tous... ils ont tous conscience, mais ça les empêcheront pas non plus de venir pratiquer leur loisir parce qu'ils se l'offrent. Ils s'offrent ce moment-là. Ils sont prêts à s'acheter ce qu'il faut pour le faire, peu importe le produit, tant qu'ils arrivent à leur fin, ils sont un peu obstinés dans leur objectif et ils sont prêts à tout pour... Et c'est un peu pareil pour les Himalayistes ou les personnes qui veulent gravir des grandes montagnes au Népal ou au Tibet. Alors, je reviens sur une chose, c'est assez bizarre, mais je ne pensais pas du tout au problème des excréments en montagne. Alors ça, j'ai découvert en voyant les films. Et donc, apparemment, ça atteint quand même des niveaux critiques. Ça menace la biodiversité et ça propage aussi des maladies.
Et il y a une ONG, donc je trouve ça assez formidable, avec des ingénieurs qui réfléchissent à l'installation d'une usine de production de biogaz près d'un camp de base destiné à transformer les excréments en engrais. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, je me dis, il y a quand même des solutions auxquelles on peut penser, quoi. Quand elles marchent. Oui. Parce qu'en vrai, au refuge du Goûter, qui est à 3800 mètres d'altitude, là, donc, qui est sur la voie normale du Mont Blanc, donc il y a des super ingénieurs qui ont réfléchi la chose pour gérer justement ces matières fécales et de ne pas les rejeter, parce qu'avant, on tirait la chasse d'eau et puis ça allait dans le couloir du Goûter, quoi. Donc c'est sale avec le papier toilette, voilà, les matières fécales, tout ça. Donc c'est une machine qui provient les sous-marins, enfin voilà, les grosses machines qu'on peut retrouver dans les sous-marins nucléaires pour gérer les marins. Et du coup, ils se sont dit, ah, on va faire la même chose et on va la mettre en altitude à 3008 pour gérer l'afflux des personnes qui viennent tous les jours. En gros, c'est 120-160 personnes par jour au refuge du Goûter. Donc, ces déchets, il faut les traiter. Sauf que bah voilà, ça ne marche pas à ces altitudes-là. Elle a été sous-dimensionnée finalement parce qu'il y a plus de monde que prévu dans ce refuge. Du coup, elle n'arrive plus à fonctionner. Et du coup, finalement, on en revient au même. Ça recrache dans le couloir du Goûter un peu plus bas. Et voilà, elle marche que quand il n'y a pas trop de monde. Voilà. Et du coup, voilà, c'est toujours compliqué. Le problème, c'est que le refuge a été construit sur cette machine. Et elle est indémontable. Il faudrait redémonter tout le refuge qui a coûté des millions et des millions d'euros. Donc voilà, il y a des bonnes volontés, des bonnes idées. Je dis, voilà, mais c'est vrai que parfois, c'est pas simple de gérer voilà, ces problématiques. Alors, nous, sur la face nord de l'Everest, par rapport aux matières fécales et la redescente des matières fécales, en fait, on en est juste à. On va installer des toilettes sur le camp 1, donc à 7000 mètres d'altitude. Pour que éventuellement tout le monde puisse aller au même endroit, comme ça on récupère dans un bidon tous les excréments. Et après, en fait, donc on arrive à faire redescendre ces bidons. Il y en a plusieurs donc, tout au long d'une saison d'expédition sur l'Everest, sur la face nord. Et une fois qu'ils sont redescendus, alors ça va sur le col nord, il y a un immense mur de glace pour redescendre. Donc on peut le faire descendre. Il n'a pas besoin d'être porté par personne parce qu'il glisse sur la pente glacée. Mais par contre, après, une fois qu'ils sont ces bidons d'excréments à 6500 mètres, là, il faut arriver à convaincre les caravaniers des yaks de bien vouloir déposer le bidon sur le dos du yak. Et là, les caravaniers, ils veulent pas. Hein. Parce qu'ils estiment que le yak, il est sacré. Et quand si on lui met des excréments sur le dos, ben. Ça va pas lui plaire, donc on peut pas leur demander ça. Donc on en est à faire descendre à dos d'homme les bidons d'excréments. Il me semble aussi que je sais pas si on peut appeler ça des déchets, mais il y a depuis des années des alpinistes ou des sherpas donc qui sont morts en montagne et qui restent sur place puisqu'on peut pas les redescendre. Il y a à peu près 300 cadavres qui sont dans les neiges et parfois les alpinistes passent. C'est pourquoi c'est aussi compliqué de les enlever. Je réponds, Alexis ou en fait, je crois que pour la face nord, de ce que j'en sais, il y en a 200. On a essayé de les déplacer en 2014 de la voie principale sur laquelle on emprunte à chaque fois pour aller au sommet. Mais effectivement, en fait, c'était extrêmement difficile de les déplacer parce que, ils pèsent deux fois leur poids une fois qu'ils sont gelés. Les corps étant faits d'eau, l'eau gelée est plus lourde. Et en plus, avec la paroi rocheuse en fait, sur la face nord, qui est principalement l'arête nord-est, elle est principalement rocheuse, les habits en fait, s'agrippent avec la glace et la roche. C'est très difficile de les tirer vers le bas en fait, quand on les a emmaillotés ou enligotés avec des cordes. Ligotés avec des cordes. Et donc, on n'arrive pas à les tirer vers le bas. Il faudrait en fait des moyens
énorme pour du humain pour arriver à la redescendre jusqu'en bas. Ce serait possible avec beaucoup de bouteilles d'oxygène, parce que pour faire de tels efforts, arriver à les descendre, déjà sur quelques mètres, il nous fallait des heures, donc pour les descendre sur plusieurs milliers de mètres, entre le sommet, presque 9000, au camp de base, 5000, il y a 4000 mètres quand même d'altitude à redescendre pour un... C'est colossal. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Alors, c'était plutôt une remarque. Déjà, je voulais souligner la qualité du documentaire qui nous expose vraiment le problème de A à Z. On comprend bien. En fait, on aurait pu nous montrer seulement la problématique des déchets en haut de l'Everest. Et ce que j'ai bien aimé, c'est quand même qu'en fait, on voit que malgré toutes les initiatives pour aller les récupérer, en fait, on voit l'inertie du système qui fait qu'on vient polluer notre zone. Donc je trouvais ça très intéressant de comprendre toute la problématique et donc de comprendre pourquoi elle est là, notamment grâce à vos interventions au niveau de la politique, etc. Et donc on se rend compte aussi, grâce au documentaire, que dans les déchets, on va dire, gênants, on a surtout le plastique, parce qu'on remarque que tout ce qui est métallique, en aluminium ou autre, sont finalement récupérés ou réutilisés ou revendus. Et donc on pourrait penser que ces alpinistes qui ont beaucoup de moyens du coup pour préparer ce genre d'expédition, étant donné qu'ils sont prêts à mettre autant d'argent, pourraient envisager d'avoir une personne ou deux personnes supplémentaires pour en réalité déplacer des contenants qui sont en fait plus lourds que le plastique qu'on utilise. J'imagine que c'est une histoire de poids aussi dans ces genres d'expéditions, d'être au plus léger possible. Donc l'utilisation du plastique est quand même un contenant bien plus léger que le reste. Et donc on pourrait imaginer qu'en fait un moyen de contraindre ce serait d'éliminer tout ce qui est contenant plastique pour prendre des contenants qu'on connaît tous comme des sacs en jute ou autres, mais qui demanderait du coup des moyens humains supplémentaires qui pourraient a priori du coup être possibles vu les moyens dont disposent les alpinistes, quoi. Voilà, c'était ma réflexion sur le sujet. Merci. Oui, encore une fois, une question d'organisation effectivement globale pour que toute la chaîne se mette d'accord sur qui est-ce qui est amené là-haut et comment c'est préparé et par qui et avec quels moyens financiers pour effectivement s'occuper de tout ça. Donc effectivement, c'est vraiment un problème d'organisation en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est simple, mais pour l'instant, il y a quelques années en fait, comme ça avait plutôt bien marché sur la face nord de l'Everest au Tibet, le nettoyage de l'Everest, on m'a dit « Oh, bah, alors pourquoi ça se fait pas au Népal ?» Et puis on m'avait dit bah, « Viens voir un peu comment tu proposerais de faire des choses là-bas. » Et en fait, je me suis dit « Mais c'était tellement chaotique, c'était tellement une accumulation de problèmes au Népal de tout genre, qu'effectivement, moi, ça m'a tout de suite vraiment mis dans une sorte de repli, enfin de en arrière. » Et finalement, oui, j'y retourne et j'essaie de contribuer à trouver une manière de coordonner toute cette, enfin, pour qu'une organisation se fasse au niveau justement du recyclage du plastique. Et je pense que c'est là la clé effectivement de ce qui va pouvoir être possible de faire. Et donc, il faut des machines sur place pour se transformer directement en plastique. Pour pas encore de nouveau faire toutes sortes de transports de déchets entre la vallée de l'Everest et Katmandou, hein, qui est encore quelque chose qui rajoute d'impact négatif de pression sur la nature. Mais voilà, d'avoir des machines sur place et d'avoir suffisamment d'équipes, des alpinistes bien sûr, ça avant tout. On est d'accord, hein, c'est les premiers à devoir être concernés sur la manière de gérer ces déchets et qu'on les implique, qu'ils soient impliqués du début à la fin de la chaîne. Mais après, effectivement, c'est quand même
la manière durable de faire marcher cette chaîne de logistique, de transformation des déchets, de gestion des déchets, ça va quand même être aux locaux de l'organiser. Parce que si elle n'existe pas, les alpinistes étrangers, ils seront là, mais même s'ils s'occupent de la chaîne, il ne va rien se passer derrière. Donc c'est cette implication locale après qui est à prendre en compte. Donc là, par exemple, il y a un test cette année qui va avoir lieu. Donc c'est en exclusivité que vous avez les nouvelles, c'est pour la vallée de Katmandou. Donc il y a un centre de tri qui va se faire à Pangboche, c'est pas très loin du camp de base de l'Everest, où en fait toutes les clubs de femmes et de la jeunesse, donc les étudiants comme Joma Sherpa qu'on a vu à la fin du film, qui sont en fait donc les moteurs de ce centre de tri et ensuite de recyclage, puisqu'il y a des machines qui vont être fabriquées sur place par des ingénieurs de Grenoble qui ont réussi, donc après des années de mission sur le terrain, ça fait 3 ans, de finalement arriver à monter leur centre. Alors, les fonds sont là et donc ils vont construire le centre. Et avec ces objets donc, de plastique recyclé, ils vont les vendre petites figurines de yak pour les touristes. Donc ça va permettre de financer l'usine en fait de recyclage construite sur place, et aussi ils vont construire des tables, des chaises, tous les objets dont ont besoin les populations dans leur maison ou dans les gastos faits en plastique pour qu'ils achètent normalement à Katmandou, qu'ils viennent installer chez eux. Donc ils utilisent déjà ces chaises et ces tables en plastique, mais là donc ils vont les faire sur place. Donc ça va être une machine, une injecteuse qui va être construite sur place. Eh bien, faisons confiance aux femmes et aux jeunes, alors, si je comprends bien. Marion, on te remercie beaucoup. On va être obligés d'arrêter le débat. On te retrouve dimanche pour le film sur les femmes alpinistes. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci, et merci Alexis. Merci. Merci Charles, à la régie.